bar, c'est Roti Bar. Oh non. Ah d'accord, il y a un décompte là, tu peux voir. Bah attends. Dans un jeu Sonic. Super. Non mais sérieux, je me fais aussi bonne cola. Ok, nickel. Pourquoi il y a le gros d'Anisem là qui tombe à mort? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ah mais il faut l'éteindre, je t'éteins. Ok bon. Donc on va y aller doucement parce que ces gars ils veulent pas que j'aille vite dans mon jeu Sonic. Mais non, je reçois moult richesses. De l'or, merci. Putain mais c'est du Super Mario Bros. Bah c'est encore Mario hein. Mais non, mais c'est pas possible. Oh non, oh le face reveal. Oh non mais là ça fait trop d'un coup là. One Knuckles il est bugué. La shock bar est tellement réelle, il en peut plus. Oh là là. Non. Je crois que j'ai jamais ragé premier degré sur cette chaîne. Et bah c'est peut-être aujourd'hui que ça commence. Oh non. Cette fois je me fais pas avoir. Non là, bâtard. Non mais... Oh normalement il m'écrase pas. Mais attends mais je suis censé faire un truc là ou... Hop là. Bon voilà mais c'est bon, voilà il pousse le bouchon. Nous sommes dans un tunnel, depuis tout à l'heure on a pris ça, ça finit pas. Mais les gars mais coupez. Ah non mais c'est pas fini genre. Mais... Ah merci. Enfin, prochaine partie, c'est la neige. Bah toujours plus d'originalité, en tout cas ça fait plaisir. Ho, ici le grand gnocchi et c'est Noël la team ou quoi? Eh ben non en fait parce qu'on est en février. Mais aujourd'hui on se retrouve malgré tout pour cette partie 4 de Sonic Superstars. Malgré tout dans le monde de la neige et avec le costume de Père Noël hein, s'il vous plaît, parce que quand même on se respecte un minimum ici. On va y aller direct, je veux en finir avec ce jeu aujourd'hui, on va pas se mentir. J'en ai marre là, j'ai pas toute la vie devant moi pour attendre toutes les phases de boss. Donc on y va direct, c'est pas Noël. Mais l'esprit est toujours là, après tout, ça peut être en février, je comprends pas les gars. Ok, comme ça je peux être en retard. Frozen Base les gars, c'est parti. Donc encore une fois, monde de la neige, on est sur une originalité juste dinguissime. Est-ce que les niveaux vont être très casse-couilles comme la dernière fois? Je n'espère pas, en tout cas j'ai sorti mon meilleur level aujourd'hui, j'ai déjà raté le fait de t'actionner un petit peu up. Ça fait genre 3 mois que j'ai pas joué, on va pas se mentir. Mais comme j'ai Sonic dans les veines, aucun problème évidemment. Ok, des nouvelles mécaniques, ok, y a des checlos. C'est quoi ce bordel? Je comprends pas là. Ok, super. Putain, les tapis roulants, ok. Ok, j'aime bien. Oh putain, on peut se transformer en glaçon ou pas? Non, je sais pas, parce qu'il y avait des trucs de gel, comme dans les jeux classiques. Ok, le sniper. Putain, mais le mec est meilleur que Fang en fait. Non, mais c'est trop grave, par contre, faut arrêter là. Bon, est-ce que je peux actionner ce putain de truc? Tout ça pour aller à reculons. Oh, le level design, ces gars, c'est grave. Oh, y'a Tails. Ok, donc là, il va dans la grotte. Et la copie d'ailleurs. Non c'est trop grave. Mais ouais encore une fois j'ai pas joué depuis longtemps. J'ai pas été un prince hein, sur mes timings comme d'habitude. Mais vous me connaissez hein, dorénavant. Ok on va essayer de sortir mon meilleur gameplay pour voilà me tirer de cette impasse. Oh Doctor Strange, allez un petit Doctor Strange, ça fait longtemps. Je n'en peux plus. Du coup entre temps j'ai sorti Sonic X Shadow Generation. Il y a eu le remaster de Sonic Generation qui a été annoncé. Merci pour les retours sur cette vidéo incroyable où je me suis juste pris pour David Guetta. Et du coup j'ai mis la musique hyper fort comme un énorme fils de pute. La vidéo était quand même assez pixel mis à part ça. J'étais plutôt fier de moi mais du coup j'ai un peu ruiné. C'est pas grave, on garde le sourire. Ça m'a fait plaisir de me mettre à recréer une vidéo. Ok bon je joue comme de la merde, c'est pas grave. Parce que voilà j'ai passé beaucoup de temps à juste jouer à des jeux vidéo quand même hein. C'est pas un vrai métier, on rappelle. Mais voilà, et puis là, là, on va se lancer dans d'autres projets. Encore une fois, Sonic Frontières, je compte faire quelque chose. Oh, une petite émeraude, la team. Oh, l'émeraude verte. Le dingue. Faire quelque chose, histoire de rattraper un peu à quel point j'ai troll. Ah, d'accord, donc là, il y a que des petits tremplins. Ok, guys, ok. Par contre, il s'agirait de Locke, en fait. Il s'agirait de Locke lire. Non, mais le problème, c'est que quand il tombe, il va à 2 à l'heure. Non, mais comment je suis censé faire? Je suis censé prendre un max de hauteur et gagner du temps, gagner des rings au moins. Bon, il s'agirait d'arrêter de me prendre pour une merde de ces gars. Mais comment je... Non mais en vrai, premier degré, y a un truc que j'ai pas compris. Comment je suis censé faire un tour en rond, non peut-être? Donc si j'anticipe un peu la trage... Oh là là là, j'étais si près de l'avoir, ouais, tour en rond, ouais. Ok. Oui, let's go. Incroyable les gars, 5 émeraudes, en vrai, mine de rien. On tient le bon bout là. Ok, pouvoir lierre. Fait pousser une plante. C'est le haricot magique ou quoi là? Attends, j'ai oublié comment je... Ok. Oh là 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 là. Oh putain, mais tu peux le contrôler! Ah ouais, d'accord. Ok, bah ça marche. Bon, en attendant, pour l'instant, on n'a toujours pas utilisé le pouvoir aqua. Donc j'attends de voir un peu, voilà, où c'est qu'on va pouvoir l'utiliser, ce truc et tout.
Attends, on peut faire pousser du lierre ici. Bon, parce que les poires sont très situationnelles, hein, quand même. Ah, ok, je me suis fait juste baiser. Bon, j'aime bien ce petit niveau. C'est une reprise plutôt en douceur, hein, ça me rassure un peu. Mais, fin de la douceur, puisque c'est l'heure... Ok, l'heure de mourir, tout simplement. Non, mais c'est une dinguerie. C'est pas l'esprit de Noël, hein. Non, j'ai failli faire... Non, mais les gars, c'est un jeu Sonic, donc on va vite. C'est normal, pas d'embrouille à ce niveau-là. Non, mais fils de... Bon, on va y aller doucement. Hop, purement avec mes réflexes de zinzifula, hop là. Ok, c'était marrant cette petite face. Ouah, ouah, mais frère, c'était quoi ça? C'est un Yeti ou quoi? C'est du foot ou quoi? Bon, voilà, donc on retourne sur les boss. J'ai envie de me suicider en fait. Ok, bon, il a l'air nul. Bon, j'aime bien au moins parce qu'il y a un peu de plateforme, donc ça c'est pas mal. Oh là là. Wow, guys, what the fuck? Je vais le fumer. Hop là. Ok, bon, alors, Sega, si vous faites que 3-4 coups, franchement, il y a un potentiel pour que ce soit peut-être un bon boss, hein. Mais on les connaît. Malheureusement, qu'est-ce qu'il va me faire là? Oh, il va rien faire. Bon. Ok, j'ai bien fait de m'écarter quand même, finalement. Ok, attention, je le rush, les gars, je le gank. Non, mais il s'agirait. Non. Ok, fou. Oh oui, il y a que 3 coups. Non, mais ces gars ont enfin appris leur leçon. C'est dinguerie. Ils ont évolué pendant le jeu. C'est un match de Blue Lock en fait. En tout cas, petit costume de Sonic en Père Noël qui mettrait très bien. Bon, encore une fois, c'est plus Noël. Ok, les gars, vous pouvez arrêter de me faire remarquer ou ça se passe comment là? Ok. Donc là, il y a Tails. Ok, on prend la. Merde, comment il s'appelle? La Eggman Mobile. Attends, mais. Putain, mais on va partir dans l'espace. Attends, il y avait qu'un seul niveau. Mais non, mais il y avait pas qu'un seul niveau. Ils se foutent de ma gueule. Ah non, d'accord. What the fuck. Oh là là. Alors, ça, les stages limite comme ça dans Sonic, c'est très peu souvent bon signe. Hein. C'est quoi ce bordel là? Mais. Non, mais. Mais les gars, mais. C'est pas Sonic ça. Il va y avoir tous les rageux là. Ils sont en mode, mais les gars, mais c'est pas un jeu Sonic. Moi, je vais aller vite dans mon jeu Sonic. On les connaît. C'est les mêmes qui disaient que Sonic et Niche étaient nuls. Et puis maintenant, ils sont en mode, oh non, le jeu, les gars, est une dingue. Non mais c'est en vrai, non mais les gars c'est quoi ça? C'est que Project. Bon, encore une fois je meurs si je ne fais pas 10 références à la seconde, hein les gars. Ok, c'est des monsieur patates là, on les tue. Voilà, et donc ces gars, c'est quoi le concept là? Bah j'ai tué tous les trucs, non normalement. Pourquoi ça se finit pas? Ah non mais ça va être, non les gars, non Henri, non ils abusent du bail, ça va être plusieurs paliers comme ça. Ah non, il y a direct un boss. Non mais on joue à Sonic hein, je le rappelle. Bon les gars, moi je suis une légende à ce genre de truc. Regardez, hop. Non mais en vrai je suis vraiment une légende. Normalement regardez, hop, je passe entre tous les trucs, voilà. J'ai un expert à tout esquiver, hop là, comme ça. Et voilà, bon les boss sont trop faciles là, c'est. Oh non, les rings. Ok. C'est bizarre, mais il y en a plusieurs parce qu'en fait il faut que ce soit chiant. Et du coup si c'est pas chiant en fait c'est pas Sega, finalement. Okay. Bon là ils ont pété un peu. Mais bon encore une fois je suis trop fort donc y a zéro souci. Je me fais plus toucher une fois je vous le dis. Oh là là. Oh mais que c'est chiant putain d'attendre comme ça. Un peu d'attente dans votre jeu Sonic. Bon il s'agirait de... D'accord, on va essayer de strap un peu histoire que... C'est honteux que je me fasse... Bon allez non mais... Sinon mon défi Non mais les gars je ne me fais pas toucher. Bon par contre il s'agirait de vraiment... niquer sa mère là. Allez, une dernière, par pitié. Voilà les gars, je me fais pas toucher, mais désolé pour ça, je suis juste trop fort. Mais c'était vraiment juste ça, Frozen Base là. Mais c'est plus Frozen là, c'est Space Base. Ok. Mais c'est vraiment Star Wars en fait. Les gars, et vous saviez que le Death Egg était inspiré de l'étoile noire? Seuls les geeks, selon peu de gens le savent. Bon bah en vrai, mais c'est peut-être la dernière zone là. Moi je prie, mais je sais qu'on va douiller. Mais ça me paraît approprié pour cette dernière zone. Vous savez qu'il y a eu entre temps, voilà, parce qu'encore une fois, vu que ça fait 5 mois que le jeu est sorti, on rappelle, hein, il y a le temps d'avoir des DLC. Oh, c'est cool ça. Non, mais je voulais pas repartir en arrière, par contre, vraiment, ces gars, faut arrêter. Attends, mais bah, les gars, on va quand même se faire l'acte Tales. Bon, on se fait l'acte Tales. Non, mais je me fais souffrir pour rien. Je suis même pas obligé. Bon, c'est pas grave. Mais après ça, du coup, on prendra le costume de Shadow. Voilà, parce que suite à l'annonce de Shadow, Sonic X Shadow Génération. Ah, et du coup, tu vas voir quand ils sont dans la grotte. Ok, d'accord. Bon, là, on va vivre Goblin Slayer. Mais oui, on prendra le costume Shadow qui a été annoncé suite au remaster. Mais les gars, mais c'est pas la première fois que je joue Tails en vrai. Ben non. Bah oui bah non. Je suis couillé, j'ai littéralement une vidéo qui s'appelle Lego Tales veut me tuer. Mais c'est parce que là il est normal donc j'ai pas l'habitude. Il est trop mince. Donc là ça va être cool vu que ça va prendre avantage du fait de pouvoir voler. Donc ça veut dire je vais pas pouvoir tricher. Donc ça par contre c'est pas cool. Ok, pas mal la musique. Oh, oh la putain, j'ai failli me le prendre. Ok. Attends, c'est quoi ça? Ça me gèle. Non. Oui. Oui, ça me gèle du coup. Non. Oh là là. Oh, le drame. Oh, je suis retombé tout en bas. Oh putain, j'ai failli mourir. Bon, donc là l'objectif est bien sûr de ne pas se faire voler. Bon, on plane, évidemment. Non, pas cool. Non. Oh, la vie de ma mère, je vais m'arrêter juste avant, je le savais. Non, ok. Putain, c'est un peu le bordel, là, ce level design. Mais, oh, ok, bon, ça va, donc... Oh, ok, attends, on monte. Je
spam un peu ma touche. Je vais me faire baiser juste avant. Non, ça va. Il vole longtemps ce mec, hein, quand même. Il est pas aussi limité que dans ce Nicky Rose, que sinon, ce serait problématique. Ok, donc là, on fait attention. Non. Putain! C'est quand même un peu un rêve qui devient réalité de jouer Classic Tales comme ça. Je l'ai toujours trouvé super mignon dans Sonic Generation et tout. Et là on peut le jouer en fait. Parce que dans Sonic Generation on ne peut pas le jouer. On rappelle que Sonic Generation est un jeu en demi-teinte. Je suis le seul être humain de cette planète à penser ça. Je dis juste que si l'hommage était réel, voilà, on pourrait peut-être jouer Classic Tales, Classic Knuckles, Classic Amy qui d'ailleurs n'existe juste pas hein, dans Sonic Generation. Voilà, ça fait pas plaisir, je me rappelle. Bon, pour l'instant tout se déroule plutôt bien. Oula. J'aime vraiment bien par contre qu'il y ait des niveaux du coup comme ça, uniques au personnage, et que tu puisses prendre avantage de leur capacité. Ça c'est vraiment cool que le level design soit pensé pour ça. C'était déjà le cas avec Knuckles dans Golden Capital. Attends, y'a quoi? Ok. Non, y'a... D'accord, c'est plus tard. Ok, bon, c'est pas grave les gars, c'est pas grave. J'espère juste que du coup je vais avoir le temps. Attends, je comprends rien. Ok. D'accord, bon, j'ai rien compris. Oh non, j'aime pas ça. Ça me rappelle un... La référence est deep encore une fois, mais vous me connaissez. Ça me rappelle un temple K de Donkey Kong Country Tropical Freeze, je crois. Ou de Returns, je sais plus. Donc genre, il y a que des trucs comme ça, et tu dois rester que aux endroits où tu te fais pas écraser. Et c'est un banger en fait. Oh là là. Non. NON. J'ai fait un pari risqué. Je suis un witness. Mais qui ne tente rien à rien, comme dirait l'autre. La chance sur les audacieux. Heureusement que j'ai su abandonner l'audace par contre. Voilà, il faut savoir abandonner l'audace les gars. Notez dans vos carnets, prenez notes. Oh putain. Bon attends. Oh là 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 là. Les gars, j'ai trop une grosse queue sa mère. J'ai deux grosses queues même si je peux me permettre. Non, oh là là. Je comprends pas. Normalement. Non. Oh, c'est des bâtards quand même avec ce level design si je peux me permettre sans trop faire le mec. C'est chaud mais ça passe. Non mais qu'est-ce qu'il me fait lui? Non. Oh là là, j'ai zéro ring. Non, ok. Non, non, les gars, c'est honteux. Ok, bon, lui, du coup, il a essayé de me chase. J'ai juste à rester là. Hop là, et c'est ciao. Non, j'ai failli juste me faire avoir par un autre mec, en fait. Oh non, on va y avoir un boss. Non, voilà, à l'aide. Oh putain. Oh sa mère, les gars. Ok, tout va bien. Bon, qu'est-ce qu'il nous répare? Ah d'accord, il nous a bricolé. Ok, je vois. Il est bon. Merci pour ça, MacGyver. Avec trois boulons et un ressort, il nous a fait ça, le mec. Il est très très chaud. Non mais par contre, ça va. Je vais pas le refaire non plus. Oh les gars, à la base on aime pas le jeu. Bon les gars, il est temps de finir le jeu. Et voilà. Il est exceptionnel. Vraiment, ces gars auraient pu nous faire juste un classique Shadow. Mais vraiment, ils ont décidé de faire ça quoi. Genre littéralement, ils avaient juste à modeler le visage de Shadow et on était bon. Qui est quand même à peu près le même que celui de Sonic hein. Du coup, je sais pas si je dois trouver ça drôle ou avoir le seum. Un peu les deux, j'imagine. Putain mais regardez-moi ça, il est glorieux. J'aime bien tous les mêmes en mode que dans le trailer de Sonic X Shadow, il a juste vu le drip de Shadow et profixisime. La musique slap un peu là hein, je dirais. Oh là, c'est quoi ce compteur là? Oh là. Bon, on rappelle que c'est un niveau d'Eggman, donc ça va être super chiant. C'est un niveau final en plus. Normalement, on peut pas aller plus loin que l'espace quand même. Si, je sais pas. Non. Peut-être un petit Death Egg Robot 2. Bon, un Sonic Superstars toujours pas placé sous le signe de l'originalité en tout cas. Hein. Oh là là. Oh, comment il tourne comme dans les jeux classiques, trop marrant. Les gars, je reste tout le temps comme ça. Ok, j'ai bluffé. Mais vraiment, le costume me met très très bien. Oh, j'ai été très bon. Ok, et puis après j'ai été très nul, évidemment, c'est l'échange équivalent. Ok. Non mais quel fils de pute, c'est pas intuitif. Oh là, d'accord. Wow, Spider-Man. Attends, non mais c'est quoi ce bordel? Oh là là, ok. Bon, j'apprécie les nouvelles mécaniques en tout cas. C'est comme le Erasordine ou quoi? Et on a toutes les références Sonic ici, hein. Je suis le receleur de références. Bon, par contre, c'est lance à mer, mais tranquille. Attends, du coup, je peux... Ok. Ok, sympa, en vrai sympa, j'ai bien aimé. À la longue, je sens que ça va devenir chiant et évidemment je tombe. Oh là 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 là, la catastrophe. Mais pour une première utilisation, j'ai trouvé ça plutôt intéressant, plutôt sympathique. Ok, donc là je saute pas. Hop là, on apprend de nos erreurs. Ok, ça j'apprends toujours pas. Mais en même temps, je suis en super donc c'est. Oh là là. Oh, oh là là, je suis dans le Lopaf Gang. Lopaf Gang, littéralement, gang du chemin du bas. On est tout en bas de l'échelle de la société Sonic, de la Sonic Society. Oh là là. Ok, ça s'arrête jamais. Si. Et bah mine de rien, pour l'instant j'aime bien ce niveau hein. Continuez comme ça ces gars et on aura presque un bon niveau. J'ai chanté vraiment, c'était pas du tout ça l'air. J'ai cru. Et c'est la backstory de Shadow sur l'arc ou quoi là? Y'a le gun qui est en train de raid là. Maria. Ok.
Gameplay. Attendez, est-ce que je peux survivre en ne faisant rien? On va voir si Sonic Superstars est un bon jeu ou pas. Bon, ok, ok, ça va, ça va, ça va. Ça va, j'ai bluffé. Pas mal, pas mal, j'aime bien la musique là. Deuxième musique du jeu qui me marque un peu après Speed Jungle quoi. Un petit shield qu'on va perdre dans 5 secondes chrono les gars, comptez bien. Ok, je suis très surpris de pas l'avoir perdu ici. Bon, ça fait plus de 5 secondes, j'ai bluffé. Ok. Ok, ça va. Ok, pour l'instant je... Oh là là, j'ai trop de chance, c'est une... Ok. Putain, il y avait un rings au-dessus. Oh, j'ai trop le seum. Parce que là, on n'aura pas Super Sonic avant la fin, quoi. Ok, retour d'une phase un peu comme ça. C'est RE4 ou quoi, là? Et Resident Evil, putain, Masterclass et licence. J'ai perdu mon bouclier, ça marche. J'ai joué l'année dernière au remake et tout. Ah, RE2 remake et RE3 remake. Et RE4 remake qui sortait du coup à ce moment-là aussi. Des remakes excellents, même si ils perdent un peu l'identité des originaux. Et ça, c'est quand même dommage. Mais vraiment, les jeux sont tellement plaisants, tellement bien huilés, tellement bien game designé. Une dinguerie, je recommande. Même si vous avez peur, bah arrêtez en fait. Oh, y'a pas de boss! Let's go! Ah putain, je suis pas sûr, mais je crois qu'il a une pose de victoire différente là où il s'essuie le nez vite fait là. En mode shadow, du coup, un peu. Bah, profond de saisie. Qu'est-ce que c'est? Il remonte le temps. La clepsydre! La clepsydre, Eggman! Oh putain, il a 3 barres de coups, Eggman. C'est donc un Wi-Fi Warrior. C'est lui qui fait laguer les games de Tekken. Ok. Ah, donc là, je vais à l'envers. Attends, on va faire le niveau à l'envers. Non, arrête. Oh, c'est criminel. C'est pas inintéressant comme concept, mais du coup. Ouah, attends, mais. Ah, en vrai, c'est stylé, hein. Ah, et du coup, là, ça va. Ah, ouais, d'accord. Oh, la musique. Ah, la musique, c'est trop bien. Non, c'est cool. En vrai... Ah, putain, j'aime bien, là. Ah, ça, j'aime moins que l'ennemi pop juste comme ça, mais tranquille. Ok. Ah, non, mais en vrai, c'est stylé, non. Vraiment, en vrai, par contre, c'est sympa. C'est la. C'est. Do... Bah, c'est. J'allais dire Dr. Stone. Non, Dr. Strange. C'est Dr. Strange. Attends, mais. Voilà, j'aurais peut-être pas dû. Ok, bon, ça va pas d'embrouille. C'est Docteur Strange là avec la pierre du temps là. Le pouce se remet comme ça. Non, c'est pas mal, on va bien. Ah, la musique est cool en plus. Bon, c'est chiant parce que voilà, il faut quand même un peu attendre du coup dans ces phases là. Ce qui est un peu frustrant, mais tranquille. Hein. Oh, la musique. La musique est trop bien. Normalement, voilà, je peux faire comme ça et hop, on est bon. Bon, c'est très très intéressant comme concept. J'ai trop peur de me faire écraser sans mentir. Oh là là. Ok, top paf gang. Ah, et on a peut-être une deuxième chance du coup de choper le rings du coup. Pour l'émeraude. On sait pas. Non, non, je veux pas tomber la tête de ma mère. Bon, les gars. On va y aller doucement. Ok. Attends, parce qu'il y a un truc là-haut. Ok. Mais ouais, mais du coup là. Mais je suis pas dans le bon sens là. Ah bah ouais, non, mais c'est de la merde. Ah, il y a certains. Attends, mais. Ah, et d'accord, et là je. Bon, je comprends rien, mais là c'est la suite du coup. Putain, mais Shadow of the Jog 2005 a bien changé là. Hein. Oh là là, putain, ça m'a rattrapé d'une mort certaine, ok. Ah, et là du coup, il met son truc au ras le sol, du coup, le mec. Bon, seul défaut de ce niveau, c'est qu'il y a quand même plein de phases un peu comme ça où juste attends comme un buffoon. Non, merde. Après, ça va un peu plus vite qu'avant, il me semble. C'est bien, belle évolution de la difficulté, c'est bien, c'est bien, c'est intéressant. C'est un peu trop rapide du coup maintenant. Genre, j'ai pas le temps de me préparer. Bon, allez, ouvre ta bouche, toi ta mère là. J'ai soif. J'ai déjà fait cette blague, alors y'a quoi? Ok. Ah, oh. Le chemin s'enlève derrière, c'est chaud sa mère. Bah, en vrai, très très intéressant pour le coup, comme niveau. Hein. Mais ça, on l'a déjà dit. Vraiment, là, je suis assez séduit quand même. Putain, donc, je serais passé par être surpris par le jeu, être refroidi, le détester, et puis être surpris. C'est une boucle ou quoi? C'est une boucle temporelle en fait. Oh là là. Je deviens les gens qui ragent sur les jeux Sonic en 2D en mode oui, mais tu peux pas voir venir les obstacles, du coup tu peux jamais aller vite. Alors qu'en fait, ils se self-report juste qu'ils savent pas jouer au jeu. Enfin bref, bon, il s'agirait de. Voilà, merci quand même. Oh oui, oh oui. Putain, je sens, on va terminer le jeu avec 6 émeraudes. Et encore, c'est en partant du principe que j'attrape celle-là. Copium, hein, sans faire le mec. Je vais me concentrer. Là, une erreur peut très vite être fatale, si je peux me permettre. Ah putain, du coup j'ai raté le... Bon, il faut qu'on prenne le truc là-bas, ou pas, ou si en fait. Bon, je perds un peu de temps, mais en vrai je pense que c'est worth. Pas du tout. Il y a beaucoup de rings au moins, donc c'est... Oh, ok, super, évidemment. Ah, et là je me tape pas contre la surface, ok. Oui, oui, let's go, je suis trop fort, je suis devenu un peu en fait. Bon, on va finir le jeu avec 6 émeraudes, les gars, c'est tellement sûr, c'est tellement cool, mais bon, c'est pas grave. C'est quoi le nouveau pouvoir du coup? Parce que je te connais toujours pas, hein, cela dit. Ok, on arrête le temps, c'est Dio, Zawa, Lolo. Mais c'est vraiment ça.
Non mais je pense que c'est tellement bizarre de voir ça dans Sonic en fait, genre. Mais c'est sympa. Je préfère ça au Wisp quand même. Même si bon, au final, est-ce qu'il y a beaucoup de différences? C'est juste un peu plus facile et intuitif. Parce que le problème des Wisp en fait, c'est que ça te stoppe et que ça te fait complètement changer de gameplay. Alors que là, tu gardes quand même un peu l'inertie, tu vois, du truc. Et puis en plus, c'est en 2D. Ça reste plus linéaire et donc un peu plus dans l'énergie. Ça reste fluide. Bon, en tout cas, et pour l'instant, vraiment, c'est très très beau. Si le jeu finit sur une note comme ça, un peu haute, franchement, ça peut être cool. Parce que j'ai vu quand même qu'il y avait. Enfin, bon, parce que je précise quand même au cas où, hein. Blague à part, je ne déteste pas ce jeu, évidemment. Au global, je le trouve assez moyen. Mais j'ai vu qu'il y avait vraiment des gens qui le détestaient, quoi. Je sais que Superstars, c'est vraiment mitigé. Et que le jeu, je crois, c'est un échec commercial en plus pour Sega. Je crois qu'ils avaient fait un tweet et tout. Ils mettaient les ventes et tout. Je trouve que c'est un peu dur parce que le jeu est quand même loin depuis la merde. Mais genre, j'ai vu une vidéo en mode ouais, Sonic Superstars est fondamentalement rempli de défauts. Et je déteste le jeu. Et j'étais en mode ah ouais, carrément. Je trouve que ça va quand même en fait. En fait, je trouve que c'est un jeu qui va pas au bout de ses idées, quoi. Et que c'est un peu dommage et que tu sens qu'il y a un manque de maîtrise. Il y a un manque d'originalité aussi. C'est un peu du Sonic classique. Bah un peu classique si je veux dire, même si franchement il y a un effort pour oh putain ça fait vraiment shadow là le fait qu'il tombe comme ça. Bon boss final peut-être. Mais ouais voilà. Oh putain, c'est vraiment des gros bot 2 en fait. Non j'y crois pas. Oh non, non les gars. Bon j'espère que j'ai pas zéro rings hein, parce que là ce serait malaisant. Mais ouais ça fait un peu trop du Sonic classique. Notamment artistiquement. Mais ça essaye quand même de faire évoluer la formule. Moi j'aime quand même bien. C'est pas une masterclass mais ça va. Bon j'imagine qu'il faut renvoyer peut-être le truc bleu à tout hasard. Hop. Bon les gars, on va être pixel et je réunis toute ma bonne foi pour ce boss. Je ne ragerai pas, vous ne m'entendrez pas rager ou dire que le boss pue la merde. C'est de la merde, voilà, c'est de la merde. Sonic Superstars pue la merde, je déteste ce jeu. Ça risque d'être compliqué parce que là j'ai déjà un mauvais pressentiment. Ah d'accord, il faut l'envoyer en roulant comme ça, il peut pas le bloquer, c'est ça? Oh. Oh putain, il m'a pris par sûr. Oh merde, j'ai cru que je pouvais passer en dessous. Bon, il me reste qu'un rings, dans deux. Bande de bâtards, on est que deux. Ouais, il faut pas l'envoyer comme ça en fait. Donc il va falloir l'envoyer en speed dashant. Non, c'est pas ça. Ou alors il y a un script qui fait que genre le troisième que tu renvoies en fait, tu l'envoies vers la gauche. Ce serait très très grave quand même, hein, Sega, si c'est ça. Mais bon, déconnaissant. Mais je ne critique pas le boss, attention. Hein. C'est une masterclass hein, pour l'instant. Bon, comment on fait en fait? Ok. Oh, la musique. Bon, il s'agirait de... Au bout d'un moment, non, je sais pas. Enfin, par pitié. Bah, en vrai, je comprends pas. Hein. Genre, je suis censé renvoyer comment ton missile, enculé, genre. Ok. D'accord. Bon, on va... Les gars, on va trouver, y'a pas d'embrouille. Mais comment j'ai réussi à l'envoyer dans l'autre sens, en fait, tout à l'heure? Mais je comprends pas. Très bizarre l'ambiance, pour l'instant, on va pas se mentir. Ah, oh, mais putain. Ah attends, je sais pas si je peux... Non, je peux ou pas. Ah oui. Ah la musique. Ça colle pas du tout, ça me déglingue. Ah putain, mais donc je peux l'utiliser là quoi. Bah oui, mais ça sert à rien en fait. Mais pourquoi ça marche pas en fait? Mais je comprends pas en fait. Aïe. Oh putain, mais nique ta mère. Sega, c'est quoi le concept? D'accord, non, j'ai compris. Voilà, putain, oh là 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 là. Bon, non, en vrai, je suis retardé. Non, en vrai, faut le dire, désolé. Bon, c'était quand même pas très clair. Hein. Mais, c'est bon, on est sur les bons rails maintenant. Oh putain. Oh, c'est Total Wipeout. Genre avec les silhouettes là. Bon, je sais plus si c'est dans Total Wipeout, mais tranquille. Bon, c'est très facile, hein, du coup, d'un coup. Et c'est très long, comme par hasard. Hein. Non, les gars, c'est pas une critique. C'est une super qualité que je suis en train de faire au buzz, vraiment. Mais merci d'être long comme ça. Hein. C'est madame qui doit être contente si je peux me permettre. Ok, je vous ai dit que je suis trop fort pour esquiver les pro-joueurs, hein. J'ai pas menti. Hein. Oh mais par pitié. Non. Ok, j'ai compris, c'était pas très compliqué à comprendre, mais que du coup si le projectile est sur la droite, il va être sur la droite, et s'il est sur la gauche, il est sur la gauche. Ouais. Ah ouais, non mais là il est même pas sur... Là il est plus sur la gauche, là il est à l'extrême gauche, si je peux me permettre. Hein. Non mais putain, mais... Oh vas-y, c'est chiant. Oui. Ok, nice. Non, oh putain, on va jouer avec deux chances. Oh non, oh non, oh non, 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 c'est criminel. Non, oh sa mère, non. C'est chaud, hein, c'est chaud, on va pas se mentir que là, je ne suis pas serein à l'idée de tout recommencer, notamment. Non. Ok, je suis super content, en tout cas, c'est... Bah en fait, vraiment, là, du coup, c'était plutôt rigolo, mais là, ça va devenir chiant, vu que, eh ben, je dois tout refaire, en fait. Bon, on peut pas passer, genre, c'est bon. Oh putain, si jamais, si jamais je...
si jamais je dois le refaire plein de fois et que genre je me retape à chaque fois cette cutscene, ça c'est le genre de truc qui m'en ouvre. Je déteste attendre en fait. Dans les jeux en général, mais spécialement dans un jeu Sonic, forcément, l'un de mes meilleurs jeux de plateforme préférés of all times, c'est Super Meat Boy. Parce que le jeu est incroyablement game designé, il est très corsé, très exigeant, mais que la courbe de difficulté est hyper bien dosée et que les niveaux sont très courts et que du coup ça finit toujours par passer et que surtout tu retry instantanément. Meat Boy meurt et littéralement une demi-seconde après t'es déjà de nouveau en jeu avec un autre Meat Boy, tu vois. Et ça c'est juste pour moi le plus grand crime. Oh ouais non mais là abuse encore plus. Le plus gros crime d'un jeu de plateforme ou même d'un jeu tout court, c'est de te faire attendre entre les essais et de rendre ça frustrant par l'attente et de devoir regarder plein de trucs etc avant de pouvoir retenter ta chance sur un boss ou pouvoir regarder une cutscene par exemple. Je déteste attendre les phases etc. Moi je veux pouvoir, que ce soit pour un niveau ou pour un boss, je veux pouvoir retenter immédiatement en fait et pouvoir finir le truc le plus vite possible aussi, parce que pour moi c'est ça qui fait une bonne rejouabilité. Bon là par exemple tu vois un boss comme ça, ça fait pas une bonne rejouabilité parce que c'est juste chiant en fait. C'est tu vas rechigner à le refaire si tu rejoues au jeu. En tout cas je vois Super Meat Boy, c'est un chef d'œuvre, l'un des meilleurs jeux de plateforme tous les temps pour moi, vraiment une masterclass. Et même si c'est dur, vous verrez qu'encore une fois le jeu il est tellement bien fait que vous y arriverez quoi qu'il arrive en fait. Et puis que ça forgera votre expérience de gamer. Parce que moi vraiment avant de jouer à Super Meat Boy j'étais une quiche au jeu de plateforme. Et puis je ne suis plus même homme, je veux dire. Non. Oh sa mère putain. Ok, nice. Bon, il s'agirait de mourir. Le mec est juste. Ok, bon ben... c'est vraiment juste ça le boss final, en vrai, parce qu'il est quand même pas ouf. Hein. La Robotnik est juste coque-barre de baiser, quoi. Non, ok, bon, c'est pas fini. Hein. Enfin, attention, dans tous les cas, c'est pas fini, puisque, évidemment, bon, il y a un vrai boss en Super Sonic, hein, sans me cacher. Qu'est-ce qu'il me fait? Oh là, ah bah, il nous fait une Metal Sonic. Non, il nous fait une Death Egg Robot, en fait, vraiment, littéralement. Oh non, c'est chiant. Attends, est-ce qu'il faut le taper de la même manière ou pas? Oh, je vais crever s'il faut le taper de la même manière. Non, je tente. Pas me reprocher ça. Ah non, c'est là. Bon, par contre, j'espère qu'il redonne des rings. Bah, sinon, c'est juste mort en fait. C'est juste terminé pour moi. On va pas se le cacher. Ah merde, je suis en zéro gravité, j'avais pas vu. Bon, normalement, ça devrait faire. C'est Biolizard. Encore plus de références, les gars. Youhou! C'est la dernière phase de Biolizard. Il a fait péter des câbles à plus d'un fan de Sonic, je pense. Le tout dernier coup là où tu virevoltes dans les airs et que tu dois aller taper son support de vie. Non, mais bon, j'espère qu'on reprend de cette phase. Non. Non mais voilà. Mais voilà, je savais, je le savais. Et là, ce que j'ai dit avant prend tout son sens. Parce que là, on va devoir regarder cette cutscene, refaire la première phase, réarriver à la deuxième, en ayant perdu aucun rings. Et puis il va falloir faire la deuxième phase et survivre jusqu'au bout. Et qui sait, il va peut-être une troisième phase ce bâtard. Non, c'est un cauchemar en vrai. Voilà, encore une fois, typique à l'exemple. Hein. En vrai, le problème des boss de ce jeu et de Sonic en général, c'est pas qu'ils sont nuls dans le principe, genre la plupart sont corrects, voire excellents. Le problème, c'est la longueur et à quel point ils poussent le bouchon, quoi. Et là, littéralement, là, le bouchon est bien poussé. Dans mon cul, hein, même si je peux me permettre. J'ai de la merde. Tu peux pas aller assez vite. Oh mais non mais regardez comment il est loin. Mais abuse encore plus. Quel boss de cool. Ça y est bon les gars, j'ai menti. Ah bon, ok, bon on a deux rings, il s'agit de pas les perdre maintenant. Bon évidemment il faut regarder la cutscene hein, parce que sinon voilà. Mais par exemple voilà, très important, quand tu as un boss que tu as peut-être d'aller une retry vite fait tu vois, et que t'as une cutscene, mais donne l'option de la passer. Je me sens même plus de ce qu'il fait là. Qu'est-ce qu'il fait déjà? Ok, ça va. Ah oui, attends, et c'est là qu'on tape. Non. Oh, j'ai cru que j'allais tomber dans le vide. Bon, là, je passe en zéro gravité, ça marche. Bon, évidemment, je ne me fais pas toucher une seule fois. Hein. Esquiver les projectiles, c'est mon dada. Non, pas dada, baba. Ok, bon, là, c'est chaud. Par contre. Mec, c'est... non, c'est super dur, par contre, c'est vraiment grave. Hein. Ok, ça va, j'ai réussi à récupérer mon de moi. Bon, ça va être super chaud, juste la phase des rayons est horrible. Vraiment, c'est très très grave en vrai. Bon, allez, 3 coups en vrai, ça suffit, hein, je pense, normalement. Allez, bon, rayon. Ok, nice. Ok, je suis très très bon. Oh, par pitié. Non, arrête, non, c'est trop. Faut arrêter de forcer. Non, mais c'est... mais c'est vraiment grave, hein. Allez, par pitié. Non, mais c'est trop. Oh putain, non mais sans déconner, c'est vraiment cringe de faire autant de phases. J'aime bien l'animation de Sonic, genre, c'est marrant. Voilà, je dors tellement durant cette phase que j'ai le temps de l'admirer, hein, l'animation, c'est bien. Ah là là, ces gars sont des forceurs, les gars, c'est vraiment grave. Hein. Ok, ça c'est nouveau. La tête de ma mère.
Mais par pitié, mais arrêtez le boss, arrêtez, coupez. Mais c'est bon, on a compris. Jusqu'au bout, ils ont refait ça. Non, mais c'est grave, en vrai, non, les gars, c'est grave. Dites-vous, ça a été playtest, ça. Il y a un mec, il a testé, il a fait. Oh, franchement, c'est un banger. Le mec, il avait 30 piges quand il a commencé à jouer. Il en avait 60 quand il a arrêté, il a fait. Oh, franchement, c'est un banger. Oh, sa mère, non. Pourquoi? Non, là, par contre, là, j'arrête de rire. Là, ça y est. Là, c'est là, je suis premier degré. Là, ça m'a pété les couilles. Genre, c'est je, la tête de ma mère, que ça m'a remis. Non, mais non, là, ça m'a saoulé. Oh, ça y est, ça m'a saoulé. Non, ça m'a saoulé. Non, c'est grave en vrai. Non, c'est grave. Non, c'est très grave. Non, c'est très, très grave. C'est littéralement, c'est la cristallisation de tous les problèmes des boss de ce jeu. C'est-à-dire que le boss, ce n'est que de l'attente. Il n'y a que ça. C'est que du script en fait. Genre, tu ne peux pas aller plus vite que ce que je veux. C'est de la merde. Voilà, c'est de la merde. Sonic Superstar, c'est plus la merde. J'ai bluffé tout à l'heure. Non, mais j'ai pas envie de refaire ça en fait. Vraiment, ça là, ça m'a saoulé. Genre, j'ai plus envie de jouer en fait. Encore, tu reprendrais à la deuxième phase, tu vois. Genre, il doserait le truc un minimum. Même là, ce serait de la merde. Hein. Attention à ne pas. Enfin, faut pas se méprendre. Hein. Mais je veux dire, non, mais faut. En fait, je suis épuisé. Genre, vraiment, combien de degrés je suis épuisé. Faut quand même se rendre compte de la nullité du design de la deuxième phase. Hein. Notamment du pattern où il tape le sol et que tu ne sais pas ce qu'il y a devant toi, tu ne sais pas ce qui t'attend en fait. Donc ça veut dire que tu dois sauter en boucle et tout, et si jamais, et je veux dire, il faut aller vite sans jamais s'arrêter, tu vois. Sinon, tu te fais rattraper par ses bras en fait. Donc ça veut dire que si t'as le malheur en fait de te prendre un truc, un bloc aléatoire, hein, on le rappelle, où tu peux pas le voir venir, et bah du coup le truc va te rattraper, et puis tu vas te faire toucher, et puis mourir instadès, parce que tu vas tomber dans le vide, dans le terrain qu'il a, dans la partie de terrain en fait qu'il a détruite, quoi. C'est vraiment nul, hein. C'est vraiment cringissime. Suis-je étonné? En vrai non, malheureusement, je ne suis pas étonné, voilà. Et là, je suis premier degré. Là, il y a plus de blague, il y a plus de sourcils sur mon visage. Peut-être celui du Joker, on peut discuter à la rigueur, mais je suis vraiment un peu outré en vrai. C'est pas compliqué quoi. Ce que je trouve désolant, c'est qu'ils ont la base d'un boss qui est plutôt correct, tu vois, et ils sont obligés de pousser le bouchon et remplir la durée de vie de manière artificielle comme ça, et je trouve ça tellement dommage vraiment. En tout cas, j'ose pas imaginer les speedruns sur ce jeu. Hein. Parce que vous savez, dans les speedruns, il y a toujours cette partie voilà scriptée où bah en fait même le speedrunner, même en speedrun, tu vois, il peut rien faire, il est obligé d'attendre. Oh là là, mais nique ta mère, putain. Oh là 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 là, c'est nul, mais c'est nul. Oh là 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 là. Mais c'est désolant. Encore une fois, les boss de Classic Sonic, ils ont jamais été merveilleux, mais au moins tu pouvais les finir en 3 secondes et demie, quoi. C'était la seule grâce salvatrice. Ça m'a épuisé mentalement, là, vraiment. Oh, mais on peut passer. Mais fallait me le dire, mais pourquoi on passe en maintenant A enfoncé? Mais putain. Mais je vous jure que par contre, avant, à voir avec l'arbitrage vidéo, hein. Mais je vous jure que j'ai été re-TP. Genre, le jeu m'a remis à la portée de ces deux points, tout simplement, de ces griffes, en fait. Mais même cette phase-là, hein, les rayons, mais c'est trop long, hein. Les premières, là, ça va, genre, en vrai, je crois, c'est à peu près que 3 fois. Et là, il s'arrête. Voilà. Là, c'est bien, il y avait vraiment pas besoin de changer. À la rigueur, ils ont qu'à faire en sorte que ça aille plus vite, je sais pas, tu vois. Mais me faites pas 56 coups, ces gars, mais pitié, mais faites un effort en vrai. Non, mais en vrai, c'est abusé. Tu vois, c'est vraiment dans ces moments-là où, même si le jeu en vrai, il est vraiment pas dégueu au global, je comprends qu'on puisse le détester juste à cause de ça. Surtout dans un jeu Sonic, quoi. Genre là, on joue à Sonic, là. Et je suis obligé d'attendre comme un clébard 56 phases différentes. Bah non, mais dire, ça colle pas, je veux dire, en vision de game design, je veux dire, ça contraste complètement avec le reste. C'est nul, quoi. Bref, c'est pas grave, hein. On va le torcher, ce boss, au bout d'un moment, mais bon, c'est chiant. Voilà, regarde-moi ça, regarde-moi le nombre de coups. Le nombre de coups. Voilà, et là, je suis mort. Voilà, presque, hein. Quand même, hein. Presque juste sur ça, hein. Parce qu'encore une fois, il y a un bloc que je peux pas voir arriver. Je veux dire, mais voilà, mais fin de la vanne. En vrai, on peut probablement le taper à d'autres timings, mais le truc, c'est que je risque de mourir, en fait. C'est vraiment le même problème qu'avec le Desec Robot, c'est que... Bon, enfin, le Desec Robot, c'est quand même bien pire, hein, vu que t'avais 0 ins, tu vois. Mais tu sais pas exactement quand est-ce que tu peux le taper, en fait. Genre, je sais que, du coup, j'ai joué à Sonic 2 sur Origins. J'avais déjà joué à Sonic 2, bien évidemment. Sauf que j'avais jamais fini le jeu à cause du Desec Robot, parce que j'étais en mode, vas-y, ça m'a pété les couilles, tu vois. Et je sais que sur Origins, du coup, j'ai fini pour la première fois. Mais j'ai dû taper sur Internet Desec Robot et tout. Pour comprendre la strat en fait. On en est là. Et là c'est un peu pareil. Enfin bon, là on peut le taper de manière normale et genre ça rend très clair quand est-ce que tu peux taper. Peut-être tu peux le taper à d'autres endroits, tu vois. Mais genre je sais pas. C'est là que tout se joue. Voilà. Et regardez, tu vois, voilà. Je veux dire, je suis pas un surhomme, hein. Ah mais je pense qu'en vrai, je devrais attendre le bon timing et faire un drop dash au bon timing où je suis sûr qu'il est à deux doigts de drop. Sinon, je devrais y aller normalement. Ouais, je pense que c'est plus ça. Hein. C'est plus comme ça que je suis censé jouer, donc on va jouer comme ça. En fait, j'ai trop peur de me faire prendre dans les coups, du coup j'essaye d'être trop speedrun, mais je pense que c'est pas utile. Sauf que là, aïe aïe aïe. Ok. C'est ça, donc. Bon, les gars, je préfère vous le dire. Vous ne m'avez jamais vu comme ça, je deviens malveillant. Ah là 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 là, ça m'a pété les couilles, genre, non, mais dingue.
Voilà, et évidemment, voilà, même cette première phase, il est obligé d'entrecouper de son attaque de merde qui nous fait perdre du temps, qui nous casse juste les couilles, enfin bref. Mais il est où? Il est où le missile? Putain! Pourquoi il est across the map? Il est across the Spider-Verse! Non, et puis encore une fois, je suis désolé, genre, c'est pas pour Céus, hein, mais j'ai pas l'impression de mal jouer, quoi, en fait. Donc, c'est-à-dire, à imaginer un mec qui est pas très fort à Sonic qui fait ça. Non, mais mec, c'est un dingue, hein. Vous le dire, hein. En plus Sonic c'est pas une licence facile à jouer, hein, globalement même là, hein. C'est des jeux qui sont très très exigeants, très très techniques, très rapides. Et si moi là je suis en train de cracher du sang là, un man qui sait pas jouer, mais il est en train de se suicider, hein. Parce que c'est pas dans Mario qu'il y aurait des boss comme ça, hein, qui durent 20 ans. Et voilà, moi je décide de dire les termes, hein. C'est pour ça que Mario il est toujours bien en forme, hein. Les gars, faut pas chercher plus loin, hein. Parce que t'as pas ce genre de truc de merde, quoi, genre. En vrai on en a marre d'être fan de Sonic là et de se taper des trucs comme ça, genre putain, mais respectez-nous. C'est n'importe quoi, non mais vraiment c'est n'importe quoi. Quand vraiment c'est très très grave. Bon là bon attendez, on peut passer ça, hein. D'accord, parce que là je sais pas que ça à faire en fait. J'ai un travail, une femme, des enfants, en fait j'ai un travail à la base vraiment. Bon allez, c'est la troisième fois. Ça fait plaisir. Vraiment c'est marrant parce qu'en plus vous pouvez noter que avant ça je m'amusais, hein, sur ce jeu vidéo. Et que c'est vraiment depuis qu'on est là-dessus que vraiment j'ai envie de me foutre en l'air. Hein. C'est marrant les gars pour un jeu Sonic de foirer autant son momentum. Trop marrant quoi. Mais ça garde pas son élan quoi, vraiment c'est très inconsistant. Non et puis cette phase elle sert à quoi en vrai? Dire c'est le même pattern, littéralement je peux me mettre là, je me fais jamais toucher parce qu'en fait les boules vont toutes dans la même direction. faut arrêter. Des fois je suis triste de cut mes vidéos parce que en fait du coup ça fait que vous rendez pas compte vraiment de la tristesse absolue en temps réel de cette séquence en fait, en réalité vraiment, hein. En cuté ça a l'air marrant mais ce n'est pas drôle, hein. Vraiment ce n'est pas drôle. Alors regardez-moi ça, je ne bouge pas, hein. Touche à rien et vous allez voir que je vais me prendre aucune boule. Voilà, c'est dire à quel point le pattern est linéaire, hein. Voilà. Et à quel point on se fait chier, hein. Ok, bon ça va, j'ai pris le truc, mais même en prenant le truc c'est tellement facile de se faire avoir. Voilà, là j'ai pas de chute de lui, mais j'ai pas d'autre choix que de sauter un peu au hasard pour vraiment garder ma vitesse parce que sinon je meurs. Là je pense qu'on peut le taper en premier. Hein, mais bon, j'ose pas parce que la moindre erreur et je crève en fait. Allez, meurs. Oh par pitié! Oh putain, j'ai eu peur de pas faire. Regardez comment c'est proche! Oh là là. Bon, hé hey, mec, vraiment faut mourir là. Oh pitié, merci! Oh là 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 là, et vraiment, mais quel boss de merde! Oh là 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 là. Jamais vu. Ces gars, il va falloir up le game un peu là, hein, parce que c'est plus possible. Hein. Ok, c'est fini. Oh là là. Alléluia. Petite cutscene pour nous récompenser de. Oh là là, de cette souffrance. C'est la planète aussi cool et bleue que Sonic, les gars. Vous avez la ref. Voilà, donc là, ben. Voilà, il est juste en mode. Let's go, les gars. Let's go, guys. Ok. Ils font le fameux truc de One Piece où ils sont en mode, ils se serrent la main comme ça là. C'est tout? J'ai souffert pour ça là? Oh putain, Inoue, mais non, mais même les crédits ils nous les font jouer, on peut même pas se reposer durant les crédits là, c'est trop! Ouais. Ah là c'est beaucoup d'émotions là qui se bousculent en moi. Déjà, enlevons le plus gros, les boss sont tous à chier, désolé. Les boss c'est vraiment le pire truc du jeu, c'est horrible, mais ça gâche le truc, mais de zinzin vraiment, mais je vous jure, c'est vraiment grave. C'est vraiment niveau Sonic Rush quoi, parce que Sonic Rush, excellent. Mais alors les boss, oh les boss de Sonic Rush, premier du nom, hein. Allez, en fait, vraiment, jusqu'à maintenant, Sonic Rush avait le palmarès des pires boss de la saga. Je pense honnêtement qu'il l'a toujours, quand même, parce que si vous avez pas joué à Sonic Rush, les gars, jouez-y parce que c'est un vrai banger. Mais alors, par contre, les boss, vous allez constater que c'est vraiment une disaster crasse. Carrément, là, c'est une master crasse. De toute façon, Rush Adventure est un bien meilleur jeu en général et a des bons boss pour le coup. Mais je pense que Sonic Superstars est bon deuxième, honnêtement. Vraiment, c'est le niveau où on en est, quoi. Vraiment, c'est de la merde. Sans déconner, c'était nul à chier. Bon, le concept des boss, c'est pas tout le temps de la merde, mais juste, ça dure 20 ans. On en a marre. Et puis, de deux, bon, bah, le jeu est trop classique, va pas au bout de ses idées, ça manque de maîtrise, ça manque de choses percutantes en fait. C'est un jeu de plateforme très mid, exactement comme je m'y attendais personnellement quand j'ai vu l'annonce en fait. C'est pas mauvais, mais c'est pas vraiment exactement bon non plus quoi. C'est d'accord sur 20. Et pour un mec qui est pas fan de Sonic, en fait, je me pose la question, on est tellement hardcore dans la commu Sonic, est-ce que finalement un mec qui est pas fan de Sonic apprécierait plus ce jeu qu'un fan de Sonic? En fait, je sais pas trop. Je serais quand même tenté de dire que non, parce qu'il y a tellement de défauts qu'un joueur normal ne pourrait pas ignorer quoi en fait. C'est un peu le problème de beaucoup de jeux Sonic, mais celui-là vraiment particulièrement, parce que celui-là, voilà, parce que qu'est-ce qui fait qu'on ignore les défauts d'autres jeux Sonic en fait? Bah de type Adventure, Heroes, Unleashed, les Storybook, même 2006, tu vois, même les pires jeux de la saga. C'est parce qu'il y a du cœur en fait. Mais là, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a du cœur? En vrai, j'en sais rien, parce que c'est tellement
vraiment basique, quoi. Je veux dire, artistiquement, il s'est rien passé. C'est juste gameplay classique Sonic. Bon, l'ajout des autres personnages est cool. Il y a quand même Fang qui revient. Il y a Trip que j'aime beaucoup en tant que nouveau personnage. Vraiment, j'aime beaucoup Trip. Je pense que c'est la meilleure chose qui sort de ce jeu, en fait. Vraiment. Mais voilà, bon, je veux dire, on dort. En réalité, ce jeu, il a rien de spécial. Il a pas d'idée particulière. Il a des idées, mais il n'y a pas de grosses idées où t'es en mode, oh putain, il y a du cœur dans ce jeu juste grâce à ça, tu vois. C'est pas les pouvoirs des émeraudes qui vont dire le contraire, hein. Malheureusement, je suis dans le regret de le dire. Hein. C'est pas mal, je veux dire, c'est pas envahissant, contrairement aux Wisps, donc c'est déjà ça. Parce que les Wisps, non seulement je trouve que c'est de la merde, et en plus c'est envahissant. Bon, là c'est pas envahissant, bon, c'est pas de la merde non plus, mais en fait, on s'en fout, quoi. Franchement, je sais pas quoi en penser. On va refaire le jeu une deuxième fois dans une partie, dans une seule et même vidéo, parce que clairement, j'ai pas envie de perdre mon temps à refaire 4 vidéos où juste je refais le jeu avec Trip, voilà, parce que spoiler, en fait, on va refaire le jeu avec Trip, de ce que j'ai cru comprendre. Là, j'ai juste peur, en fait, de me refaire le jeu une deuxième fois, quoi. Parce que je pense que je vais détester, en fait, la deuxième fois. Mais bon, pour avoir la vraie fin, c'est ce qu'il faut. Bon, les crédits sont longs, là. Hein. Je n'en peux plus. Même les crédits sont longs. Là, depuis tout à l'heure, je fais la même chose en boucle, quoi. Genre, même dans les crédits, ils ont juste mis des plateformes en génération procédurale. C'est un runner, c'est ce que je sors. Voilà, c'est mon avis sur le jeu. C'est dommage, après, c'est inoffensif, quoi. C'est un peu ça. Je veux dire, je peux même pas être énervé après le jeu, genre, parce que en fait, je m'en fous, quoi. Genre, il aurait pu ne pas exister. Ça aurait été un peu pareil, quoi. C'est un peu le constat que je fais. Et j'ai l'impression que c'est le constat général. Et c'est triste, en vrai. C'est triste parce que, en vrai, encore une fois, pour beaucoup de jeux Sonic qui ont pu décevoir ou aliéner certaines personnes ou que c'était pas leurs attentes, etc. Ça n'a jamais laissé personne indifférent, alors que là, perso, ça me laisse un peu indifférent. Bon, les gars, je vais passer les crédits, désolé, là, c'est bon. Voilà, histoire de Trip. Aïe. Oh là 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 là. Bon, ben, en tout cas, on peut dire qu'on a fini le jeu une première fois. Bon, maintenant, on va le finir une deuxième. Voilà, bon. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, je vous dis à la prochaine pour juste encore plus de souffrance, en fait, et de misère. Vraiment, vraiment, c'est la misère. Voilà. Voilà, salut. By all means necessary. Anybody else to y'all is secondary. Time's running out if you have any. Don't worry, I'm invincible, so legendary. If I fall down, I'm gonna get back up. Right back up, man, to where I left off. I'm off the court, but I feel the better because I got my crew on my back. You know I've already. I got it locked down, the end is coming here, so burn your dread.